Et bonjour les amis et bienvenue dans la découverte de cette nouvelle remorque. Donc c'est une remorque tow-up que j'ai modifiée. Donc en fait je vais enlever le logo qui était marqué dessus et je vais virer la roue de secours qui était d'un côté, je sais plus d'où elle était. Je crois que c'était à gauche, ouais. Il y avait une roue de secours, donc ça en faisait encore une de plus, 5 roues, je trouvais ça un peu mieux. Donc voilà, j'ai enlevé tous les autocollants derrière et sur le côté. Bon, après c'est une petite remorque assez sympathique. Hop, on va lui charger quand même quelque chose dedans à la limite, si vous voulez voir. Hop là, je sais même pas ce que j'ai pris, du sable. Allez, on va faire ça vite fait, hein, pas non plus. Ouais. Ce qu'il y a de plus intéressant. Hop là. Tac. Donc on est sur la map, la vieille mine, version 2.1. Tac. Allez, on va se mettre encore un autre godet et puis on ira le vider en haut si vous voulez. Hop. Donc les ridelles sont costauds, vous voyez, parce que je viens de les écraser avec mon chargeur. Elles sont pas craquées. Enfin, je rigole. Allez, tac. Hop. Je sais plus combien elle fait en capacité, on va regarder si vous voulez. Je m'en rappelle plus de tête. Dommage que les essieux soient pas animés, c'est-à-dire qu'ils se baissent pas. Ils restent toujours en l'air, c'est con. Sinon, c'était sympa. Hop là. Allez. Mais bon, elle est sympa. Mais c'est vrai que c'est dommage que les essieux se baissent pas. Bon, toujours les mêmes petits problèmes au niveau de l'attelage. Vous voyez, ça touche pas. Bon, on peut pas trop leur demander non plus. Hop. Voilà, donc la remorque, c'est une auto-app 73 000, elle prend tout et elle fait 37 000 en capacité. 180 en coût journalier. Ça va. Allez, c'est parti. Alors, on roule en Scania car on m'a demandé de faire des vidéos avec des Scania. Donc, je fais des vidéos avec des Scania. J'en ai un peu pour tout le monde aussi. Hein. Bon, si les gens veulent que je fasse quelque chose. Vous m'écrivez un petit commentaire, pas de souci, ça me fait plaisir. De toute façon, j'ai pas de marque préférée. Quoique j'aime bien Mercedes, il y en a des sympas. Bon, la couleur de celui-là, je trouve pas que ce soit terrible, mais bon, j'ai pris ça un peu au pif, on va dire. Il était sympa. Je voulais voir la V2 qu'il avait mis, le mec, mais il n'y a rien de spécial apparemment. Allez, peut-être voir avec la région, frère. Juste que faut peut-être que j'enlève mon tatra que j'ai foutu là-haut. J'ai fait un gros tas de merde tout à l'heure par terre. Quoi. Oh, les roues, elles touchent même pas. Je vais pas me faire chier reculer avec l'armoire jusqu'en haut, donc. Je pense que ça va être joyeux. Ouais, toc. On va pas non plus aller à la tempête les olivettes, ça sert à rien. Hop, allez. On monte par la droite dans le camion. Ouais, on s'enfile ça. Je doute que ça passe, moi. Oh, quoi que. Oh, si, ça y va. Oh, la voix du pilote. Putain, il patine, il enchaîne le camion. Par contre, je me demande si c'était pas les roues avant qui avançaient, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'aurais pu vider là, mais bon. On va faire ça un peu plus réaliste. Clac. On va se mettre bien droit. Hop, et on vide. Voilà. Donc ça c'est assez sympa. Hop là. C'est tout? Il n'y avait pas beaucoup, j'allais dire. Voilà. Bon après, hein, il n'y a pas non plus pour faire une vidéo de 10 minutes pour voir ça. Hein. Et voilà. Allez, j'espère que cette remorque vous plaît. Moi, elle me plaît bien. Donc en plus, elle ressemble bien à du TT. Donc je vous laisse la télécharger. À très bientôt.